Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître l'enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce 15e dimanche du temps ordinaire, année A, lue par Marie-Pascal Johnson, le diacre Justin Djikounou de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Mathias Etché. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 55, versets 10 à 11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli ma mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous la pluie, tu bénis les semailles, tu visites la terre et tu la breuves, Seigneur, tu oui, c'est l'abondance. Au désert, les pâturages, oui, c'est les collines débordent d'allégresse. Se couvre de blé, tout exulte de chante, tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles, tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 8, versets 18 à 23. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin
et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne qu'ils se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un penseur moderne a affirmé, je cite, « C'est la sincérité qui rend une personne spéciale dans ce monde plein de fausses apparences. » Fin de citation. Chers frères et sœurs en Christ, les lectures de ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A se rejoignent un tant soit peu avec l'idée de terre, soit féconde ou stérile. Ainsi, dans la première lecture du livre d'Isaïe, nous voyons comment le prophète utilise l'image de la pluie qui féconde la terre pour donner l'espérance au peuple découragé dû à leur temps de libération habituellement reporté. Toujours dans l'optique de donner de l'espérance à ses lecteurs, Saint Paul utilise l'analogie de la femme en travail qui se réjouit après avoir donné naissance.
L'évangile, qui est l'un des sept paraboles de saint Matthieu, nous invite au contraire à réfléchir en toute sincérité sur le type de terre que nous sommes vis-à-vis de la parole de Dieu semée en nous. En d'autres termes, la question est de savoir quel type de terre je représente. En mettant les trois premiers types de terre dans un bloc, nous nous retrouvons avec deux types de terre, la terre féconde et la terre stérile. Chers amis, l'Église Notre Mère n'a jamais cessé de nous nourrir avec la parole de Dieu au quotidien. Mais quel effet cette parole produit en nous? En tant que des êtres fragiles, il y a des moments où cette parole porte de fruits en nous, mais il y a aussi des moments où elle reste inféconde en nous. Chrétiens, chrétiennes, pour que cette parole soit toujours féconde dans nos vies, soyons en contact avec elle, comme nous sommes en contact régulier avec nos comptes WhatsApp, avec nos comptes Facebook, avec nos comptes Instagram, ou encore avec nos comptes Telegram, pour ne citer que ceux-ci. Ce n'est pas lorsque nous traversons des moments obscurs de notre vie que nous devons nous rappeler que nous avons une Bible dans notre chambre, où il y a un temps pour prier avec la parole de Dieu. Si c'est de cette manière que nous approchons la parole de Dieu, sans doute, nous sommes et nous demeurons une terre stérile. Si lorsque nous rencontrons des épreuves immédiatement, nous abandonnons sans persévérance, nous sommes et nous demeurons une terre stérile. Que notre foi ne se laisse pas étouffer par les soucis et les tromperies de ce monde. Oui, la parole de Dieu ne retourne jamais sans avoir fécondé ce que Dieu l'a ordonné de féconder. Mais cela est possible si nous lui offrons une meilleure terre fertile. Même si nous pensons que cela ne produit pas de fruits, soyons patients, soyons patientes. À force de persévérance, elle produira dans la foi ce qu'elle est destinée à produire à nous. Ce sera donc triste que nous qui avons reçu la parole de Dieu à nous, nous la laissons inféconde. Active à nous, cette parole nous renfort contre les adversités de l'ennemi. Renouons donc notre lien avec la parole de Dieu et elle produira son fruit en nous. Alors, en toute sincérité, quel type de terre sommes-nous? La féconde ou la stérile? Par notre vie, permettons-nous à nos frères et sœurs d'être des terres fécondes ou des terres stériles? Prions. Esprit du Dieu vivant, donne-nous la grâce de la persévérance et fais pousser en nous la semence afin que nous puissions donner des fruits dignes de toi. Amen. Que le Seigneur soit puissant et sans miséricorde, le Fils et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Sur vos smartphones et ordinateurs,
toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Voilà. Il allait tomber dans la falaise. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.